À l'invitation de Jean-Marie Darmian, le conseiller départemental du canton de Créon, le président de l'institution départementale, Jean-Luc Glaise, est venu rencontrer les maires du secteur. Un rassemblement destiné à présenter les outils mis en place par le conseil départemental afin de faciliter le travail des élus communaux. Une assemblée où une constatation s'imposait rapidement, la fonction de maire se féminise. L'occasion de rencontrer trois nouvelles élues lors des dernières municipales. Marie-Vonne Lafont à Saint-Genès-de-Lombeau, Céline Deligny-Estover à Pompignac, Rose Pedrera Afonso à Cambes. Dotée d'une très forte expérience d'élue, Marie-Vonne Lafont sera une maire stricte. Je pense parce que j'ai travaillé à l'AIA de Bordeaux. J'étais contrôleur hautement qualifié en métallurgie mécanique générale. Donc je suis très stricte, j'applique les normes. Et ici, comme maire, il faut respecter la réglementation de l'État. Une évidence pour Céline Deligny-Estover. Pour moi, devenir maire de ma commune, c'était un objectif, mais c'était surtout un engagement pour ma commune. C'était surtout donner de mon temps, donner de ma compétence, donner de mes idées et de ma capacité à faire avancer ma commune. C'est un engagement avant d'être un objectif. Rose Pedrera Afonso a plutôt suivi le souhait des autres. Ah, est-ce que c'est une décision seule? Je suis pas tout à fait sûre. Je crois que c'est d'abord des gens qui vous observent, un entourage sûrement bienveillant et qui vous dit un jour, mais tu veux pas le tenter? Alors c'est souvent des... Moi, mon entourage, c'est le bénévolat, c'est l'associatif. Et je suppose qu'on a vu en moi quelqu'un qui porte énormément d'intérêt pour le bien commun, hein, disons-le. Et aussi un relationnel humain, une écoute, un échange. Rose bannit totalement une éventuelle ligue féministe lors des réunions. Enfin, des homologues me dirent... Mais c'est très bien, on va être ensemble et puis comme ça on pourra se soutenir quand on défend des projets. Je pense qu'il faut aussi dépasser ça. C'est pas parce que nous sommes femmes que forcément on aura une vision identique. Ça se vérifie parfois, mais je partirai pas du fait que si je dois défendre une idée ou l'autre ou adhérer à une idée ou l'autre, je vais pas regarder si c'est une femme, je vais plutôt aller vers elle par soutien. Non. Marie-Vonne Lafont attribue aux femmes une grande qualité. Il y a beaucoup de femmes, donc je pense que les femmes, ça ne remplacera pas un homme, ça c'est sûr, mais je pense qu'elles sont courageuses, comme moi je pense. Le combat homme-femme n'a plus de sens pour Céline Deligny-Estover. La parité homme-femme n'est pas une obligation, je crois qu'elle se fait de fait. Si les femmes veulent aller dans de telles fonctions, eh bien, il faut les laisser se présenter devant les électeurs. Et les électeurs aujourd'hui, en 2020, choisissent pas parce que c'est un homme ou une femme, ils choisissent parce qu'on a un projet, parce qu'on a une ambition, parce qu'on a un engagement, plus que parce qu'on est une femme ou un homme. Rose Pedrera Afonso radicalise ce débat en appelant les femmes à prendre leurs responsabilités. Pourtant, je vais vous dire, j'épouse volontiers la cause féministe, mais les freins, parfois, ils sont en soi. C'est plutôt, je pense que quand on se dit pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire, il y a très peu de personnes qui vous disent, en tout cas maintenant, je pense, de ma génération, qui vous disent non, c'est pas ta place, qui va garder les enfants. Personne ne m'a dit ça. Non, il n'y a eu pas plus d'hommes que de femmes. Sur ce point-là, je pense que, comme toujours, il y a une phrase qui me plaît. Je crois que c'était Madame Giraud qui disait que la liberté ne se demande pas, elle se prend. J'ai pris cette liberté et personne n'a eu à y redire, donc je n'ai pas eu à me défendre de cette idée saugrenue, quoi. Non.